Salut Bienvenue dans cette FAQ, cette foire au cul. On va voir ensemble des questions que vous m'avez posées. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé des offs de la chaîne, qu'on n'avait pas échangé et je trouve que ça manquait vachement, surtout qu'il y a eu beaucoup de changements, il y a eu pas mal de trucs qui sont passés dans ma vie depuis quelques temps. Comme je me connais et que j'ai la parlotte, on va pas trop traîner. C'est parti pour la première question. Pourquoi fais-tu plein de sponsors ces temps-ci Alors, c'est vrai que sur mes dernières vidéos, sur 3-4 dernières vidéos, je crois qu'elles ont toutes un placement de produit. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j'ai augmenté Nombre de placement de produits mais en gros ce qu'il faut comprendre c'est que euh, ma chaîne youtube c'est une chaîne youtube moyenne c'est mon taf d'être youtubeur il y a des moments où ça gagne bien des moments où ça gagne moins bien dans tous les cas, je suis vraiment pas pété de thunes. Donc, ouais, ça fait plusieurs années que je suis en mode euh, bah, très bien si je survie avec mes petits revenus de YouTube, je fais pas des vidéos souvent, de temps en temps il y a un placement de produit qui, pour le coup, rapporte bien de l'argent, mais c'est de temps en temps tout ça, tranquille. Sauf qu'en 2022, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. En fait, je me suis rendu compte que je gérais très mal mes finances. C'est pas un sujet très drôle, ça m'a mis profondément dans le mal, surtout que je suis le genre de mec à culpabiliser beaucoup, à souvent me remettre en question. Mais pour faire simple, en décembre 2022, je me suis rendu compte que j'avais. Plus d'argent. Disons plutôt que j'ai dépensé de l'argent que j'étais pas censé dépenser parce que je suis mal organisé, parce que je suis un trou de balle, et ça a remis un peu tout mon modèle en question. Tout ce truc de c'est pas grave, je survis, je suis tranquille, je veux pas d'argent de côté, ça passe bien, bah en fait il a volé en éclats quand je me suis rendu compte que non, ça marche pas, je peux pas survivre comme ça. Rajouter à ça toutes les galères de cet hiver à base d'inflation, augmentation des prix de ouf, tout ça, c'était vraiment la merde et il fallait trouver une solution. Et bah pour moi, la solution qui marche le mieux, ou en tout cas qui était la plus accessible à ce moment-là, c'est les sponsors. En fait, j'ai rejoint une agence de communication qui se charge de me trouver des sponsors régulièrement. Et moi, mon but maintenant, c'est de faire des vidéos normales, des vidéos comme avant, mais à chaque fois avoir un sponsor, ce qui me permet de vraiment générer des bénéfices et vivre de mon activité vraiment. Bref, pourquoi il y a plein de sponsors ces temps-ci bah, en fait, parce que j'ai pas trop le choix. Je suis pas un youtubeur énorme. Les revenus pubs de YouTube, ça me suffit clairement pas à vivre. Genre, c'est pas du tout suffisant. Je suis pas un mec qui fait beaucoup de vidéos. Et donc, bah, j'ai besoin d'un petit plus pour réussir à survivre. Ce petit plus, c'est les sponsors. Est-ce que c'est le meilleur modèle qui soit J'en sais rien. Est-ce que c'est le pire modèle qui soit J'en sais rien non plus. En tout cas, c'est ce qui marche là maintenant. Donc, je le fais. Et je sais que beaucoup de gens s'en foutent un peu. Et là, vous allez me dire peut-être en commentaire, mais c'est pas grave, t'inquiète, fais ce que tu veux et tout. Mais je trouvais ça quand même intéressant à aborder. Oui, je fais plus de sponsors. Oui, je peux comprendre que ça dérange certaines personnes. Il n'y a pas de souci, ça, je le comprends de ouf. Mais ça va continuer. Alors, bien sûr, je vais faire des efforts pour peut-être faire des meilleurs sponsors, amener ça mieux, mettre un meilleur rythme dans la vidéo. Bien sûr, ça, je vais le bosser dessus, c'est hyper important. Mais il y en aura toujours, car c'est ça qui fait que ça marche. C'est ça qui fait que mon métier existe. Sans ça, je ne survie pas. Petit sujet un peu euh, un peu lourd là pour commencer. <laughs> Prochaine question Est-ce que t'es heureux dans ton travail C'est une vaste question mais très importante je trouve. Salut à toi Minalor, euh, je recommande sa chaîne de ouf, c'est trop trop bien ce qu'il fait, vraiment allez checker, c'est trop drôle. Je vais répondre à cette question et globalement répondre à toutes les questions de type euh, comment ça va, comment ça va dans tes projets, dans ta vie tout ça parce que je pense qu'on peut faire euh, tout d'un coup. Eh bien écoutez, ça va ça va mieux surtout. C'est surtout ça qui est important. 2022 a été une année assez terrible à plein d'égards. Alors j'en parle pas mal dans une vidéo-interview de Lady Sunday. Je vous invite à aller voir si vous voulez une version longue de cette explication en mode discussion. Parce que là je vais juste résumer tout ça. Mais en gros 2022 c'est le genre d'année où je me suis rendu compte que je faisais de la merde sur plein d'aspects et que j'avais plein de choses à régler. J'ai eu des problèmes sentimentaux, des problèmes techniques, des problèmes de plein de trucs, des problèmes de santé. Enfin tout s'est enchaîné. Vous savez c'est ce genre de période où il y a une merde tous les mois. 2022 ça a été vraiment l'année où j'étais le plus malheureux de ma vie j'étais triste j'étais déprimé ça allait pas du tout mais bordel de merde ça fait trop du bien de voir que là j'en sors je me sens mieux je me sens plus confiant je me sens inspiré tu vois genre c'est ça va tellement mieux mais c'était Horrible 2022, sur plein d'aspects. Je suis très heureux dans mon travail. Il y a plein de moments où, évidemment, ça me saoule, des moments où je suis en train de craquer parce que c'est quand même un métier, j'allais dire difficile. C'est pas forcément que c'est difficile, c'est que c'est un métier très chargeant mentalement. C'est un métier qui te quitte jamais, t'y penses tout le temps. Mais maintenant, j'arrive vraiment à voir le côté positif de ce boulot qui est que bah, j'adore faire ça. Quoi. Genre là, ce que je fais là maintenant de vous parler, c'est un kiff. Et me dire que je suis payé pour faire ça, c'est un putain de bonheur. Prochaine question, euh, Zach qui nous demande un tutoriel précis pour se pisser en dedans, STP Allez Bon, ça, on va dire que c'est euh, euh, votre bazouzou. Euh, je ne sais pas trop comment ça fonctionne pour se pisser en dedans si vous êtes équipé d'un vulvatron. Bah, bref, euh, on, va, on va parler de ce truc-là que je connais bien. Pour se pisser en dedans, c'est extrêmement simple. Tout ce qu'il faut, c'est. Euh, vous tirez un coup, vous claquez, vous torsadez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, vous retirez. Vous... 1, 2, 3. On rentre le pouce, on ressort, on re-rentre le pouce. Et là, vous pourrez vous pisser en dedans. Là, c'est le moment d'y aller. Mais c'est vraiment la procédure à suivre. Ouais, salut l'équipe. Je suis en train de faire le montage là. Et euh, je regrette un peu d'avoir fait cette blague. Elle est un peu dégueulasse quand même. Je regrette pas tant. J'en suis, suis un petit peu fier. Compte tu retester un jour tous les jeux pour lesquels tu as fait une vidéo Si oui, tu pourras en faire une mini-série en short où tu redonnes ton avis sur les différents jeux. Alors, je l'ai fait pour la vidéo sur les Sims 2 DS, qui est un jeu que j'avais à mon sens trop mal traité à l'époque où je l'avais traité pour la première fois. Est-ce que je vais retester tous les jeux pour lesquels j'ai fait une vidéo Non, car j'en ai fait beaucoup et je trouve qu'il y a plein de tests qui sont bien comme ça. Mais oui, ça risque de revenir des petits remakes de tests que je trouve incomplets, que je trouve bah, trop vieux tout simplement. En faire des shorts, c'est pas une mauvaise idée en soi, c'est vrai que ça pourrait booster un peu la chaîne, Le problème, c'est que j'aime pas trop ça, les shorts. C'est juste que c'est un type de contenu que je trouve un peu nul. Je trouve que c'est vraiment euh, très vide, souvent les shorts. Il n'y a pas beaucoup d'infos. Et j'ai pas forcément envie d'encourager ce côté, euh, ah, information méga rapide, spectaculaire, mais avec rien autour. Enfin voilà, j'aime pas trop. Mais je reste quand même ouvert d'esprit. Ça se trouve, un jour, je le ferai parce que ça me rapporterait de l'argent. Ça se trouve, j'y trouverai mon plaisir dans ce côté euh, très synthétique et tout. L'idée est bonne, mais ça me chauffe pas trop. Et globalement, j'essaie quand même de faire des trucs qui me plaisent. C'est un peu le concept de ma chaîne. Nouvelle question, selon toi, c'est quoi le meilleur jeu que tu as présenté sur ta chaîne Satisfactory. C'est Satisfactory, le meilleur jeu que j'ai présenté sur ma chaîne. C'est un jeu que j'ai découvert il y a plusieurs années. Il me suit toujours. C'est trop bien, c'est trop cool. Il y a un côté à la fois construction, à la fois réflexion, un peu mathématique. Enfin, il y a, il y a trop de trucs que je kiffe dans ce jeu. C'est posé, c'est challengeant, c'est intéressant, c'est cool, c'est beau, c'est génial ce jeu. Allez voir ma vidéo dessus si vous voulez comprendre ce que c'est. Nouvelle question, c'est quoi la vidéo préférée de ta chaîne jusqu'à présent ou celle que tu penses être la plus réussie en fait, c'est un peu bizarre à dire, mais je suis fier de la plupart de mes vidéos. Je trouve qu’il y a toujours un boulot, un petit détail un peu intéressant que j'aime bien. Il y a deux trois vidéos où je suis pas fier, bon je vais pas vous les dire. Toy Story 2 sur PC et euh, la vidéo sur la Sega SG 1000, ça c'était des vidéos bien ratées. Mais du coup, si je devais citer ma vidéo préférée, bah en fait, je vais plutôt aller dans le récent, euh, parce que c'est euh, la période dont je me souviens le mieux, hein, c'est logique. Je suis très très fier de notre challenge sur Pokémon Emerald où on a testé chacun des légendaires dans des runs en utilisant uniquement ces légendaires pour voir leurs limites de leur puissance, etc. C'était trop cool, vraiment, le format a rendu exactement comme je voulais. Je sais pas si vous voyez un peu ce truc. Souvent, quand tu fais du contenu sur Internet, t'as as une idée en tête, et au final, ça rend pas exactement comme tu l'avais en tête. Des fois, ça rend mieux. En tout cas, dans mon cas, moi, j'ai toujours des idées un peu folles, et quand je le fais, je suis là... Ok, c'est un peu moins bien. Bah là, sur Pokémon, non, ça rend vraiment comme je voulais. C'était ce, ce mood-là que je voulais, ce côté « je vous fais vivre une aventure complète de réflexion en 40 minutes ». Je suis très fier de cette vidéo. De ces vidéos, pardon, j'en ai fait trois. Et sinon, en vidéo plus classique, je dirais que c'est la vidéo sur les non-jeux DS, où je vous parle de jeux qui sont pas vraiment des jeux sur la DS. J'aime trop l'ambiance, je suis vraiment fier de mes blagues, j'aime bien l'idée que je vous parle un peu de ma passion pour la musique à la fin, je fais un petit pont entre mon univers et celui de YouTube et tout... Je trouve ça trop cool, cette vidéo a un mood de fou et j'en suis super fier. Nouvelle question, n'as-tu jamais peur que ton format de vidéo actuel finisse par te saouler Alors oui et non. En fait, oui, effectivement, j'ai peur de ça et j'ai pas envie de m'enfermer dans un format qui me lasse. D'ailleurs, je suis le genre de gars qui, mes goûts évoluent beaucoup, genre ça change beaucoup. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça va aller. En fait, ce qui va aller, c'est plusieurs points. Déjà, je suis pas un bourreau de travail, je suis pas un mec qui enchaîne tout le temps les mêmes vidéos en boucle, donc je, ça va, le burn-out me semble assez lointain pour ça. Et il y a aussi le fait que, de ma à moi, j'ai vraiment l'impression de me renouveler à chaque vidéo. C'est des trucs que vous voyez peut-être pas, mais genre je vais changer mon micro, je vais changer un peu mon décor, je vais changer mon cadrage, je vais changer ma manière d'écrire, je vais changer mon montage. Il y a toujours un petit détail dedans qui fait que c'est pas la même chose, même si le sujet ressemble, c'est pas la même vidéo. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir un changement à chaque fois. Et ça, c'est le truc que je me suis rendu compte qui me faisait vraiment kiffer. Toujours un peu évoluer, toujours un peu se challenger, toujours tu vas aller chercher un truc un peu différent, ce qui fait que bah voilà, j'aime bien. En fait, j'aime vraiment Bien ce côté-là. Par contre, oui, ça peut m'arriver d'être lassé, de parler que de jeux pourris, et en général, sur ma chaîne, ce qui se passe, c'est que quand je parle que de jeux pourris pendant un temps, ensuite je fais une vidéo sur un bon jeu, ou je fais une vidéo dans un format un peu différent. Si vous regardez la chaîne, il s'est souvent passé ça. Donc, non, je crains pas trop cette lassitude, car j'ai plein de petites techniques, de petits outils qui me permettent de pas être lassé. Est-ce que c'est opti pour percer sur YouTube Pas vraiment, il vaut mieux faire toujours le même format en boucle, mais moi en tout cas, ça va. Et je pense que c'est important que moi, mentalement, ça aille bien en faisant ces petits trucs. Nouvelle question pourquoi et comment la moustache. Alors bon, euh, la moustache, bon bah... Euh en fait, je me trouve beau avec. Nouvelle question, vas-tu faire davantage de featuring Est-ce que je vais en faire plus C'est pas sûr, mais est-ce que j'ai envie d'en faire plus Oui. Les featuring, c'est trop cool, j'aime trop l'idée d'interagir avec des gens, je suis très à l'aise socialement, c'est vraiment, vraiment un truc qui me plairait. Mais le problème, c'est que c'est pas du tout dans mon, euh, dans mon workflow, c'est pas du tout ma manière de bosser jusque-là, je fais des vidéos en solo, donc c'est un peu compliqué à faire rentrer. Je saurais pas trop quoi faire en featuring, je saurais pas trop comment amener ça. Ça rajoute aussi beaucoup de complexité, c'est beaucoup plus technique de faire une vidéo où il Plusieurs intervenants, plusieurs types de. Que quand c'est que moi qui parle dans ma chambre, vous voyez, c'est beaucoup plus complexe. Mais bon, j'aimerais bien en faire plus. Ça, c'est tout ce que je peux dire. Oui, j'aimerais bien en faire plus. Je trouve que je suis trop dans mon coin sur YouTube et ça me fait un peu chier d'être un peu tout seul, quoi. Si des créateurs de contenu me regardent, n'hésitez pas à me proposer en vrai. Franchement, ça me ferait très plaisir que vous me proposiez. Au pire, je vous dirais non si c'est pas possible. Mais proposez-moi si vous êtes chaud, ça me ferait super plaisir. Salut J'arrive pas trop à te capter sur Twitch. Tu stream à quelle fréquence Alors, Twitch, cette année, il y en a pas eu beaucoup, hein, vraiment pas. En fait, c'est pour deux raisons. La première, c'est que je suis dans un appart. Alors, je, je déménage dans trois jours, mais l'appart où je suis ici, il est très mal isolé euh, d'un point de vue son. Et euh, je sais pas, c'est pas trop mon truc de streamer dans un appart en gueulant quand je sais que les voisins m'entendent et tout. Je sais pas si vous voyez un peu le délire. Si je reviens, c'est pas dit qu'il y a une fréquence, mais si vous voulez savoir quand je stream, le mieux, bah c'est Twitter, c'est. Euh, ou euh, l'onglet communauté de YouTube. J'annonce tous mes lives dessus en vrai. Je sais que peu de gens y vont, mais si vous voulez savoir quand je live sans aller sur Twitter, l'onglet communauté de youtube voilà vous aurez toutes les infos mettez la cloche tout ça en vrai j'adore streamer mais c'est quand même assez fatigant ça prend beaucoup de temps et c'est pas évident à intégrer dans mon cadre de vie actuel où j'ai besoin d'argent alors que twitch c'est du bonus quoi c'est un petit truc en plus qui demande beaucoup de temps et rapporte peu mais en même temps rapporte beaucoup émotionnellement c'est des bons moments d'échange et tout c'est trop cool et ça me manque un peu est-ce que tu as des passions autres que les jeux vidéo et faire des vidéos Je fais pas mal de musique, je suis bassiste et euh, j'ai un petit groupe avec des potes. On a aussi un groupe de composition, c'est sans prétention, c'est juste du kiff, mais j'aime vraiment bien. Un peu de sport aussi, j'aime bien l'escalade. Bon, là j'en ai pas refait depuis un petit moment, mais j'aime vraiment bien. Je suis pas hyper fort non plus, mais c'est un petit kiff. Après, bien sûr, j'ai plein d'autres petites passions par-ci par-là, mais je dirais que la guitare basse, la musique au sens général et l'escalade, ça rentre bien dans mes passions. Il y a un bon moment de cela, tu parlais d'un changement de pseudo. Pourquoi ça ne s'est pas fait Parce que j'ai peur que ça pénalise ma chaîne. En fait, le truc c'est que si j'avais pas trop besoin d'argent, eh bien euh, je ferai un changement de pseudo dès maintenant parce que je me doute que ça va peut-être faire fuir un peu des gens qui comprennent pas, ça va peut-être faire baisser mes stats et là je peux pas trop me le permettre. Mais oui, j'aimerais beaucoup changer de pseudo en fait. Askins, je trouve que c'est un vieux pseudo que j'ai choisi un peu à l'arrache, qui est dur à prononcer, qui est dur à écrire et il est nul ce pseudo, il est nul à chier et je vais commencer à en parler dès Maintenant, moi, mon prénom c'est Léandre. Léandre, je m'appelle comme ça, c'est mon blaze, c'est un très beau prénom, j'en suis très fier. Et ben, j'aimerais bien m'appeler comme ça sur Internet maintenant. Donc ça viendra, c'est juste voilà, j'ai un peu la crotte au cul de euh, est-ce que ça va pas niquer ma chaîne de changer le pseudo et tout, mais je veux toujours le faire. J'aimerais bien changer de pseudo, j'en ai marre de Asquuns, que tout le monde prononce n'importe comment en plus. Il y a du Ascoons, il y a du Asquin, il y a du Ascum. À quand le retour des rouflaquettes ta 2016. Et euh, bah on va s'arrêter là. Alors le truc c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir parlé de grand chose. En même temps la vidéo est déjà un peu longue. Mais au moins je vous ai parlé un peu de tout ce truc de 2022 année de l'enfer, 2023 la renaissance, les projets futurs. Je suis vraiment motivé à l'idée de bosser parce que c'est euh, j'aime trop ce kiff de d'évoluer, avancer. Désolé si j'ai pas lu votre question, mais euh, au moins on a abordé celle que je trouvais un peu intéressante, notamment celle sur comment se pisser en dedans. Je trouve qu'elle était très pertinente. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour atteindre les 200. 100 000, on y est presque là. Franchement, franchement, on n'est pas loin. Là. À la prochaine, les amis, et coupez